Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur The Crew 2 et on va continuer là où on s'arrêtait la dernière fois. Allez, déjà, je vais lancer le jeu tout de suite. Et ensuite, on va se mettre la petite catégorie qui va bien. Et on fonce dessus. Patientez. Là, c'est parti. Et voilà. Thank you.
continue. Oui. Allez, nous partons sur activité déjà. Hop, voilà. Ce bon vieux Mississippi. Tu sais qu'ils faisaient des courses de bateaux à vapeur dessus avant? Le vainqueur devait aller à tout casser à quoi? 13 nœuds? Forcément, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, ça se savait dans tout le pays. You. Hop, je vais par là moi. Ouais, on se pousse. Et un petit trou, dit. Oh là là. Ok. Vas-y. Ah. Ok. Ok. Attends là, pilote. Logis, ouais. Ah. À nouveau. Ok, bien. D'icône 2. Alors attends. Ouais, si, oui. Voilà. Véhicule. On va en rajouter un là. Et là. Pas d'extrême. Voilà. Ça claque pas mal. Forcément. Voilà, c'est toujours ça de mieux. Et nous, pile. Enfin. C'est la célèbre Lighthouse Regatta.
8 phares sont visibles le long de cette régate, mais on dit qu'il est possible d'en voir 10 si on est bon. Moi, j'en ai jamais vu que 8, et je suis très bonne. Allez. Ah, et ça pue, ça. Oh. Là, c'est pas la même tarte. C'est l'arrivée, comme de par hasard. Bien, bien. Le seul moyen d'arriver au top, c'est en s'entraînant. Et quand t'as fini de t'entraîner, bah t'y retournes. Si tu veux vraiment devenir un pilote d'exception, que ce soit dans un powerboat, une voiture de tourisme, une Formule 1, un avion ou sur une trottinette, faut que tu atteignes un niveau où tu fonctionnes à l'instinct. Et la seule façon d'y arriver, c'est de s'entraîner encore, encore et encore. Alors t'as intérêt à t'accrocher. Vous avez amélioré votre personnel pour éviter sans merde. Ok. Ok, ok. Et compliqué. Hop. Ok. La suivante. Non. Non, 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 non. Pas toi. Là. Allez. J'adore les Keys de Floride. Les plages, les récifs, les tartes au citron vert. D'ailleurs, je crois que si je partais en vacances, elle serait en haut de ma liste. Juste après l'usine où Ford a produit la modèle T originale, bien sûr. Ouvre la porte. Ouvre la porte. T'as le niveau pour gagner, alors vas-y et prouve-le. Oui, bah oui, bah non.
évitant les vagues des autres surtout. Et là on saute. Le saut était pas fantastique. Oh, joli. C'était pas gagné. Arrivé droit devant. Et on y est. Il y a de la bonne pièce, il y a de la bonne pièce, là. Ouais, il y a de la bonne pièce. De la bonne pièce. Ok. Seul. Hop. Ouais. Et on va essayer ça. Est-ce que j'ai assez? Oh là là, il m'en manque un bout. Oh purée, pas grand chose, mais il m'en manque. Oh, ok. Alors, attends, hop. Éviter. Là, on peut pas. On peut pas. Là, là. Là, non. Là, non. Hop. Ok. On en a que là. On va faire celle-là. Allez. Thank you.
for it. It's now or never. Oula. Oui, là, il manque de puissance quand même. Oh, 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 There's still tread on those tires. Burn them up. J'arrive au bout là. Voilà. Il y a un peu de pièces là. L'améliorer un peu. Déjà, bon, ça sera fait. Voilà. Ok. Maintenant, on a dessus. Oui. Celle-là. Ok. Tac. Voilà. Et là, j'ai assez. Et hop. Celle-là. Casque Iron et l'éclipse. Voilà. On achète. Ça fait.
Bon, tour. Bon, ok. Hop, on tourne. Voilà. Allez, on va commencer par ça, lui. On va dire, oui. Hein. Que celle-là, oui.
Ok. Et juste, j'améliore encore. Et manque d'amélioration, et tout. Bon. Ok, là on a quoi, l'éclipse ou la scanning? On va faire l'éclipse. Allez. Ah, celle-là, forcément. 3, 2, 1. Allez, je t'envoie des ondes positives. Retour subite. Déjà meilleur. Allez, où on prend celle-là. J'ai gagné avec un monstre comme ça. C'est pas sûr. Thank you.
Hey, oh, tu sais que t'es dernier, là? Ah oui, je le sais. Oh, purée! Troisième forcément. Ouais. Vas-y, attends, hop. Je vais lui booster la Skyline. Même. Comme ça, c'est réglé. Bah allez, voyons voir. Tu peux le faire! Thank you.
Devine qui est en tête de la course. Eh ben, c'est pas encore gagné. Bon, faut que ça s'améliore, ça. Ok. Essayons l'éclipse. Mon grand, t'es une rockstar! Oh, mais c'est pas possible.
À les rattraper, mais toujours un manque de puissance. Comme ça là. Ouais. Et forcément. C'est pas ça. Faut améliorer la skyline. Ok, bon, hop, sortons. Eclipse, on va l'améliorer. Rien, ça, ça va voir. Ah, là, c'est bien. Là. Quoi? Ah non, c'est ça, oui. Bah, déjà là, maintenant, c'est mieux. Ah, bah. Et si je recommence, je devrais peut-être le faire. L'avoir en pleine puissance. Non, c'est là. Je sais pas pourquoi les autres pilotes ont pas déjà abandonné. Oui.
ça tient. Ah purée. J'avais mis quand même pas mal, hein. Ça sent la danse de la victoire. J'essaye. Non, purée. Ah, je suis dégoûté là. Oh, recommencer, purée. Non, t'es... Derrière tout le monde. Bon allez, on respire, on respire. 3, 2... Bon, allez, je parle pas et tu te concentres. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer comme ça. Redresse. Niveau accélération, c'est pas terrible. Ah purée, allez! C'est la portion, pas quelque chose. Ah. Thank you.
ma voiture est plus rapide. Ça manque de peps quand même. Ouais, pas mal, mais ça manque, tiens. Celle-là. Voyons voir. Après, je vais l'améliorer. After you pass under the bridge, get ready. There's one chicane left before the finish line. Thank you.
With the throttle. Now hammer down. Et parce qu'elle a besoin. Je te plante le décor. Las Vegas, Fremont Street et Drag Racing de nuit. Tu vas faire 3 tours et sans restriction. Et le plus beau, c'est que c'est du 100% légal. D'ailleurs, je vais peut-être même parier sur toi, histoire de te motiver un peu. Oui. Il va falloir changer la courroie de distribution de ton moteur. Et tu sais quoi? C'est pas un souci, vu que maintenant, on peut se permettre de remplacer les pièces abîmées plutôt que je m'amuse à les scotcher. Je pense qu'on devrait pouvoir améliorer tes performances en modifiant un peu ton moteur. C'est cool qu'on puisse se permettre ce genre de truc maintenant. Ouais. Et une course légale pour la postérité, une.
Mieux ça se passe, plus je peux en organiser. Et celle-ci s'est super bien passée. Donne les pièces. Tu sais quoi? Il n'y a rien de mieux que de voir le résultat du temps qu'on a passé sur une caisse. Épater la galerie avec une peinture parfaite. Ouvrir le capot pour montrer ce que t'as construit à la main, pièce par pièce. Et après, le moment où tu prends le volant, où t'entends le moteur rugir et où t'y vas vraiment à fond. Ça, c'est une expérience de vie. Alors tiens-toi bien, tu viens de passer numéro 2 de la liste. Ça veut dire que tu vas pouvoir enfin affronter Tio et prouver une bonne fois pour toutes que t'es le meilleur pilote de street. Tu te rapproches du numéro... Oui. Point de la liste, je sais que t'en es capable. Faut juste que tu lâches pas l'affaire. En tout cas, vu comment t'es chaud patate, je pense que Tio doit transpirer comme un ouf. Alors comme ça, t'es dans le top 5. Bah dis donc, c'est devenu n'importe quoi la liste. Yep, la suite. Je vais prendre les choses en main, moi. Je vais te casser les pattes arrière. Mal. Donne des pièces, donne.
Pas tourner. Tu maintiennes la pression. Lâche rien. Ouf. Forcément. Bienvenue à Miami, terre d'accueil d'une des plus grandes communautés de street racing du pays. Peut-être parce qu'il est possible de faire certifier pratiquement n'importe quel véhicule pour le street. Ou peut-être juste parce que la ville est cool. Va savoir. Va savoir. Oh, bah je suis trop loin là. Allez, fais-nous un 400 mètres départ arrêté. Je suis très fier de toi.
Le drag racing, ça a l'air facile. Mais ça demande une concentration et une technique énorme sur des intervalles de temps très courts. Alors t'as intérêt à avoir bien révisé, parce que sinon, on va s'ennuyer. Je sais pas trop quoi dire à part waouh. Et bien joué surtout. Ok.
Piloter sur des circuits officiels, ça a ses avantages. Par exemple, si jamais tu dépasses d'un tout petit peu la limite de vitesse sur la FDR, personne te mettra une amende pour ça. Oui. Tu le battras jamais, mon record. Voilà, ça augmente. LA est sans doute une des deux villes où la culture du street racing règne. Si tu gagnes ici, tout le pays entendra parler de toi. Thank you.
to the information center. Clean up crew to the information center. Ouais, je me suis crashé. Hop là.
3, 2, 1. Tu vas pouvoir tenir ? Joli. Et j'ai encore amélioré, pas mal. Faire celle-là.
Oh, j'ai fait le même. Bon, il ne restera plus que l'autre en haut. La 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 la. Allez, améliorons. Toi t'as fond. Là je vais aller. Non, non. Elle là. Wheelchair service is available at today's event. Just before the big climb, you'll have to manage a tough chicane. Thank you.
Nitro, the magic duo. On dirait que tu vas courir sous la pluie aujourd'hui. Ne vois pas comme un problème. Pense-y comme une difficulté que tous les pilotes vont devoir surmonter. Ça peut être éprouvant, mais si tu le gères bien, ça peut aussi pimenter l'action. Tenez! Ah, purée! Thank you.
celle-là. Elle. Pour obtenir les meilleurs résultats, tu dois connaître ta bagnole sur le bout des doigts. Chaque bruit, chaque vibration. Parce que s'il y a quelque chose qui va pas, tu pourras pas être à 100%. Alors tu prends soin de ta voiture, et moi, je prendrai soin de toi. Okay. Super. Apparemment, les réglages de ta voiture sont au top. Ah, ça a l'air. Mais ça peut que s'améliorer. Allez, envoie.
Oh bah ça tourne. Plus trop. 90. Continue comme ça. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donne-nous du spectacle. Et bien on va essayer. Oh purée. Oh. Oh le truc que j'ai pas fait là. Eh ah oui. Oh, ma nouvelle peinture. Oh. C'est coincé là. C'est bon. T'as perdu combien de dents? Merde. Allez, laissez-moi passer. De justesse. Et non, ça passe. Regarde. Oh là 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 là. Tourne, j'ai pas vu.
tue pas, et moi j'avance. C'était vraiment moins une. Oh, c'est chaud bouillant là, je veux dire. Oh, mes amortisseurs! Oh là 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 là. C'était vraiment moins une. Pense. Allez! En plus, je suis en super avance. De justesse. Pas mal du tout, mais. Dans le même genre, ça serait bien. Ouais. Le temps presse. Enchaîne vite les cascades. Oui, mais...
bout. Hein. Au bout du bout. Hein. Oh 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 oh, j'ai un dé là. Après la sortie du tunnel, tu devras négocier plusieurs virages. Ah, pas ça. La glace. C'est beau. Oh, bah, c'est surtout que ça fait que de glisser là. Eh hey, oh, oh. Reviens. Hop. Oh, faut mon caporal cacahuète là comme ça. Hein. Terrible du tout. Ce qu'on essaie de faire.
c'est moderniser la discipline. Je me dis qu'avec de nouveaux événements, de nouveaux circuits et d'autres nouveautés, on peut attirer un nouveau public. Sinon, on risque de perdre l'intérêt des fans qui vont finir par être blasés. C'est pour ça qu'on court comme on le fait aujourd'hui. Bien sûr, on peut toujours faire du surplace ou revenir en arrière. Yo, n'aie pas peur de freiner après chaque ligne droite. Sinon, tu risques la sortie de piste. C'est bien comme ça. J'aime très bien.
Une course comme ça, c'est l'occasion de redécouvrir les bases. À trop penser à l'avenir, on finit par en oublier le passé. L'important, c'est de trouver l'équilibre. Et pour ça, il y a des fois où faut la jouer à l'ancienne. Eh oui. Allez, voyons voir ça. Oh, j'adore travailler sur des voitures anciennes comme ça. Tu sais pourquoi? C'est juste moi et la machine. Pas d'ordinateur, ni rien. Oh, joli. Ah, là, ça tourne, mon petit. Oh là. Je sais à quoi tu penses. Mais c'est pas parce que c'est une voiture classique qu'elle est simple à piloter. Tu vas avoir aucune aide à la conduite. Alors prépare-toi, tu vas devoir te donner à fond pour garder ce petit monstre sous contrôle. C'est pas étonnant que les gens continuent à aimer ce genre de course. Y a pas d'artifice, juste du talent et de l'acier. La bonne blague. Pour moi, c'est ça une vraie course. Tout le reste, ben c'est du spectacle. Courir comme ça, c'est juste le style, à l'état pur. Alors vous oubliez vos boosts et vos modifs. Parce que c'est là qu'on voit les vrais pilotes. Petit raccourci. Ah, oh, il m'a... gêné, l'enconnard. Ah, je vais pas être troisième, j'y crois pas. J'adore travailler sur des voitures anciennes comme ça. Tu sais pourquoi? C'est juste moi et la machine. Pas d'ordinateur, ni rien. Ah, le foiré. Attention, je sais à quoi tu penses. Mais c'est pas parce que c'est une voiture classique qu'elle est simple à piloter. Tu vas avoir aucune aide à la conduite. Alors prépare-toi, tu vas devoir te donner à fond pour garder ce petit monstre sous contrôle. C'est pas étonnant que les gens continuent à aimer ce genre de course. Y a pas d'artifice, juste du talent et de l'acier.
Pour moi, c'est ça une vraie course. Tout le reste, ben c'est du spectacle. Courir comme ça, c'est juste le style, à l'état pur. Alors vous oubliez vos boosts et vos modifs. Parce que c'est là qu'on voit les vrais pilotes. J'adore travailler sur des voitures anciennes comme ça. Tu sais pourquoi? C'est juste moi et la machine. Pas d'ordinateur, ni rien. Ah là là, attention, je sais à quoi tu penses. Mais c'est pas parce que c'est une voiture classique qu'elle est simple à piloter. Tu vas avoir aucune aide à la conduite. Alors prépare-toi, tu vas devoir te donner à fond pour garder ce petit monstre sous contrôle. C'est pas étonnant que les gens continuent à aimer ce genre de course. Il n'y a pas d'artifice, juste du talent et de l'acier. Pour moi, c'est ça une vraie course. Tout le reste, ben c'est du spectacle. Courir comme ça, c'est juste le style, à l'état pur. Alors vous oubliez vos boosts et vos modifs. Parce que c'est là qu'on voit les vrais pilotes. Yo. C'est la bagnole qui vaut rien. J'adore travailler sur des voitures anciennes comme ça. Tu sais pourquoi? C'est juste moi et la machine. Pas d'ordinateur, ni rien. Oui.
Attention, je sais à quoi tu penses. Mais c'est pas parce que c'est une voiture classique qu'elle est simple à piloter. Tu vas avoir aucune aide à la conduite. Alors prépare-toi, tu vas devoir te donner à fond pour garder ce petit monstre sous contrôle. Cassez-vous. C'est pas étonnant que les gens continuent à aimer ce genre de course. Y a pas d'artifice, juste du talent et de l'acier. Allez, pousse-toi. On va rentrer dans les autres. Pour moi, c'est ça une vraie course. Tout le reste, ben c'est du spectacle. Courir comme ça, c'est juste le style, à l'état pur. Alors vous oubliez vos boosts et vos modifs. Parce que c'est là qu'on voit les vrais pilotes. Oh, je suis pas mal là. Cette voiture là. Ouais, tu m'étonnes tout. Gagne la voiture. Quelle joie. L'histoire, c'est un processus de transformation continue. Mais à mesure qu'on avance, on peut pas non plus oublier d'où on vient. Il y a tellement de choses dont on peut être fier, tellement de courses et de pilotes de légende. C'est cet héritage qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et qui inspire ce qu'on sera demain. Tradition et mutation, voilà ce qui compte. Je crois que c'est clair, c'est une réussite sur toute la ligne. Pas seulement ta performance, mais la course en elle-même. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore de la place pour des trucs à l'ancienne. Ah oui, forcément. Oh, puis là, il y a tout qui ruisselle. Oh lolo. Comment elle ? Et c'est sûr que là c'est un peu mieux. Et toi ? Ok. On est reparti. Bienvenue à une ancienne tradition familiale. Course héritage de la famille Bishop. Trois générations de clans. Clarence Bishop dans une même compétition. Il la sponsorise chaque année et c'est toujours un Bishop qui la gagne. Ça te dirait pas de commencer une nouvelle tradition en les défonçant? Les défonce. 3, 2, 1.
dégagé, les gars. Pièce. C'est pas mal, ça augmente. C'était ça avant. Et... on est parti. Ok, je sais que c'est Alexis d'habitude qui t'encourage avant la course. Qui dit de garder ton calme et ton professionnalisme. Mais voilà mon conseil perso. Fais regretter à Clarence le jour où il a appris à conduire. Ouais. Hop, facile. Si tu veux gagner, tu peux rien laisser au hasard. Non, je peux rien laisser au hasard. Thank you.
Oh! Oh purée. Pas mal du tout. C'est bien. Il donne des pièces là. Encore mieux. Ok. Alors hop. Oh, je prends pas loin. C'est quoi là? Surdoué. Oh! Surdoué. Là, j'y vois capteur. Oh, vas-y. On change. Surdoué. Là, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Voilà, voilà. Hop, activité, vas-y. On va faire l'autre là. Maintenant, je suis à fond. Celle-là. Allons voir. Maintenant. C'est bon, celle-là. Allez. 3, 2, 1. Allez, on croise les doigts. Mais non, on croise pas les doigts, faut y aller. Avoir et encore ouais. Oh.
mais c'est pas suffisant. C'est pas mal. Arrive à l'arrivée. Allez. Yes. Voilà, ça c'est bien. Oh, 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 oh. Oh bah là elle va être à fond. Oh là 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 là. Oh puis alors là. À fond. La totale. Là j'ai fait une totale. Oh aïe 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 aïe. Eh bé. Eh bé. Une totale. Là j'y rêvais pas mieux là. C'est pas grave, on s'en fiche. Ah mais alors là, la voiture là, on fiche. Alors là, la fond là. Ah, je t'enlève ça. J'ai juste. Où est-ce que j'ai le minimum. Ouais là, j'ai fait le jackpot. Et tout le reste. Hein. Oh là 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 là. Ok, et le dernier. Hop, 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 hop. Nickel. Là, je rêvais pas mieux. Nickel. Et toi, là, fais voir, là. Elle, il en manque encore un petit peu. Mais elle est pas mal. Elle. Oh là là.
Oui, tu vas voir la première là. Pas sur celle-là. Essayez. Oh, bah, je peux prendre n'importe laquelle. Vas-y, je prends la Skyline. Hop bah là. Hop bah là. Allez. Bienvenue à Lower Manhattan, le cœur battant de la ville la plus connue au monde. Si vous réussissez ici, vous réussirez partout. Cette zone est généralement encombrée par la circulation et les piétons. Mais aujourd'hui, les rues sont dégagées pour une course folle dans l'une des villes les plus verticales du monde. Tenez-vous prêts, parce que la course va commencer. Elle a déjà commencé, je t'assure. Oh là là, voyons. Devrait avoir une belle vue sur le pont de Williamsburg au loin qui traverse le Lower East Side jusqu'à Brooklyn. Il s'agissait autrefois du plus long pont suspendu du monde. Il ne l'est plus aujourd'hui, mais reste une voie de communication importante. Là. Allez, il ne reste plus qu'un tour. Connaîtrez Times Square et ses panneaux d'affichage géants. J'y suis moi-même allé pour de multiples fêtes du Nouvel An et il n'y a vraiment rien de comparable. Allez, vas-y! Quel départ sur les chapeaux de roue pour l'US Speed Tour. C'était une course incroyable aujourd'hui. Et de nombreuses autres vont... Oh, pas mal. Oh là 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 là, vas-y, donne. Quel départ sur les chapeaux de roue pour l'US Speed Tour. C'était une course incroyable aujourd'hui. Et voilà, de nombreuses autres vont lui succéder. Wow, wow, wow. Hop. Eh, pas mal. On l'a pas mal du tout. Bon bah les pièces, de toute façon c'est au maximum. Donc vire ça. Et vire ça. Ah, ça je garde, mais ça je vire.
Allez, garde. Vire. Là, je vire ça. Et là, je vire ça. Et pas mal du tout. Et toi, là? Rien qui... Non, 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 y a rien. Bon, papa, bien, 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 et bien. Ah, bien. Moi, je dis bien. Ça se termine bien. Et c'est nickel. Pas sur ça. On va clôturer. Et hop, hop, hop. On va quitter le jeu. Et on s'arrête là-dessus. Eh bien, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui regardent la rediff. Et puis, ben, on va conclure sur un raid. Et on va voir chez qui on va aller aujourd'hui. Alors. Ah ouais, tiens, allez. Hop. Et bah paf, on va aller chez French Cancan. Eh bien, merci à tous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.